Tu es le Dieu de gloire, Seigneur, et nous te glorifions. Car c'est toi, Seigneur, qui es la lumière du monde. Tu es l'étoile du matin. Et que ce matin, Seigneur, que cette lumière jaillit dans nos cœurs, afin de laisser des rayons de ta paix dans nos cœurs, des rayons de ta joie dans nos cœurs, des rayons de ta prospérité dans nos cœurs, des rayons de ta sainteté dans nos cœurs, Seigneur. Car c'est toi qui as dit que notre justice marchera devant nous et la gloire de l'Éternel nous accompagnera. Que cette gloire, Seigneur, descende et repose ce matin dans ce lieu, afin de détruire, Seigneur, dans nos vies, pour cette année qui se termine, 2014, tout ce qui ne t'a pas glorifié dans nos vies, tout ce qui a empêché notre communion avec toi, que tu l'étends ta main maintenant et que tu déchires le filet, tu déchires le voile, d'inimitié maintenant, Seigneur, par rapport, Seigneur, à ta parole. Que ta présence et ton onction, mon Dieu, reposent sur moi ce matin, afin de me conduire, Seigneur, dans ta volonté. Que ton esprit, Seigneur, gère toute parole qui sortira de ma bouche, et que les cœurs soient comme un terrain et une cible favorable pour que tu puisses, Seigneur, réaliser pleinement le dessein tant attendu dans nos vies et la cheminer encore, Seigneur, durant cette année nouvelle qui se présente devant nous. Alors nous te donnons la gloire qui t'est due. Prends toute la place dans ce lieu et glorifie-toi, Seigneur. Glorifie le Père. C'est au nom de notre Seigneur Jésus, Père céleste, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Donc je bénis ceux et celles que je n'avais pas salué. Donc vous êtes tous les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Amen. Car le Seigneur ne cesse de parler et je crois que ce matin, il va encore nous parler. Amen. Donc c'est la fin de cette année. Le dernier dimanche de 2014, que tu passes avec ton Dieu ce matin. Alors réjouis-toi déjà de ce qu'il a pour toi, afin que tu l'entendes, afin que je l'entende ce matin. Amen. Et que son nom soit glorifié. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'épître de Jacques. Et Jacques va nous parler ce matin de la part du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, l'Épître de Jacques, le chapitre 1, le verset 13 à 15. Jacques 1, verset 13 à 15. La parole de Dieu nous dit que personne, alléluia, sans exception,
lorsqu'il est tenté. Amen. Parce que ce matin, tu dois comprendre la différence qu'il y a entre la tentation, être tenté, et les épreuves. Parce que parfois nous mélangeons, nous appelons épreuve tentation et tentation épreuve. Amen. Pour bien savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Amen. Donc la Bible nous dit qu'ils ne disent « c'est Dieu qui me tente ». Amen. Bien souvent, on le pense. Combien de fois je l'ai pensé? Combien de fois tu l'as pensé, mon frère, ma soeur? Alléluia. Mais l'apôtre Jacques nous dit, Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Amen. Donc déjà, si tu es tenté à faire le mal, à commettre une injustice, un acte répréhensible, déjà, la parole de Dieu t'invite, m'invite à mettre l'Éternel de côté. Il n'est pas là. Amen. La Bible dit, mais chacun est tenté. Voici maintenant comment le cheminement, nous allons donner cette prédication ce matin, le cheminement de la chute du chrétien. Alléluia. Parce que nous allons comprendre le cheminement qui nous fait chuter. Combien d'enfants du Seigneur durant l'année 2014 qui ont chuté. Combien qui ont chuté, qui ont pu se relever, grâce soit rendue à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Mais combien qui ont chuté et qui sont encore durant cette année à terre et ils ne sont toujours pas relevés. Car l'adversaire le tienne encore à terre pour qu'il ne puisse point se relever. Combien parmi le peuple de Dieu qui ont chuté cette année 2014, qui sont encore à terre, mais qui ne veulent pas se relever. Et pourtant, l'Éternel étend la main. Alléluia. Afin que ce matin, mon frère, ma soeur, que je puisse, tu puisses te regarder au miroir de la parole de Dieu. Dans quelle situation ou quelle position nous sommes pour affronter l'année 2015. Amen. Afin que le passé, nos erreurs, soient un signe pour que nous puissions aller de l'avant. Donc la Bible nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Donc pas par les convoitises de la Bible, pas par les convoitises de Dieu, parce que Dieu ne convoite quiconque. Et lui ne peut convoiter quoi que ce soit, parce que tout ce qui existe est à lui. Alors il ne peut pas convoiter ça lui-même, il fait et cabane. Et il dit que ses dons sont irrévocables. Alléluia. Lorsqu'il donne, il ne les reprend pas. Nous les perdons, oui. Mais il ne les reprend pas. C'est nous qui les perdons. Combien de serviteurs qui ont perdu des dons du Seigneur? Alléluia. Combien de serviteurs qui ont trafiqué durant cette année 2014 avec les dons de l'Éternel? Combien de serviteurs qui ont souillé
les dons de l'Éternel durant cette année 2014. Alléluia. Combien qui ont fermenté, infecté les dons de l'Éternel durant cette année 2014. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Alléluia. Parce que c'est une réalité maintenant. Combien d'enfants du Seigneur qui ont perdu les dons que l'Éternel les avait donnés. Alléluia. Donc, interpellons-nous ce matin. La Bible dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, vous voyez bien, c'est un cheminement. Alléluia. Et vous allez comprendre que lorsque un chrétien tombe, il n'arrive pas, lorsqu'il déserte l'église du Seigneur, il n'arrive pas à retourner. Parce qu'il y a un travail en amont que l'adversaire a fait avec lui. Parce qu'il a un travail en amont qu'il a opéré, obtempéré avec les œuvres du diable, même s'il n'est pas conscient. Mais c'est une réalité. Amen. Et c'est pour, il faut savoir que lorsque un chrétien, bien souvent, déserte l'église, il tombe, il retourne dans ce monde, il est plus difficile qu'un enfant du Seigneur revienne à l'église qu'un nouveau converti qui n'était jamais encore rentré dans l'église. Il est plus difficile de retourner. Parce que lorsqu'on est tombé, lorsqu'on a déserté, peu importe la raison, Dieu ne justifie aucune raison, et moi non plus. Et il n'y a aucune raison que Dieu peut justifier pour quelqu'un de quitter l'église. Il n'y a pas de raison, et il n'y a pas de raison dans la Bible. Alléluia. Quand j'entends quitter l'église, je m'explique. Ça ne veut pas dire que si tu te sens mal à l'aise dans une église, il faut rester. Non, tu peux quitter. Et c'est la volonté de Dieu que tu quittes. Si on te donne du poison spirituel, parce que ton salut, tu ne veux pas un salut empoisonné, oui. Si on t'enseigne de fausses doctrines, là tu peux quitter. Et moi je l'ai fait dans ma vie. Alléluia. Parce que je me suis rendu compte un jour que mon salut est en danger. Alléluia. Donc s'il y a la mort dans le pot, il ne faut pas manger ça. Alléluia. Donc il faut aller ailleurs pour manger un potage qui n'a pas de mort dedans. Là oui. Ça veut dire si l'Éternel t'arrache dans un lieu, mais il va te planter dans un autre lieu. Il ne va pas te planter chez toi. Donc c'est ça que j'entends, qu'il n'y a aucune excuse de quitter l'église. Alléluia. Sinon de retourner. Parce que retourner demande parfois une grande dose d'humilité. Et parfois Dieu nous éprouve de la sorte. Et nous pensons que Dieu nous tente. Non, Dieu nous éprouve. Et c'est le diable qui nous tente pendant que Dieu nous éprouve. Il faut bien faire la différence. Alléluia, entre ces deux choses. Amen. Ces deux valeurs, la valeur de Dieu et la valeur du diable, du monde. Amen. Qui amène à la mort. Mais la valeur divine de Dieu amène à la vie, amène à la réconciliation. Alléluia. Et que cette année 2014, que l'Éternel te fasse grâce, me fasse grâce de nous réconcilier avec sa parole. Alléluia. Parce que l'abbé dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers en restant chez lui? Comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? En contestant.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur sa santé, la Bible dit, en se dirigeant selon ta parole. Le Samia dit, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur et garde-moi de m'égarer loin de tes commandements. Parce qu'on peut s'égarer loin des commandements de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, la Bible dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Vous savez aujourd'hui, vous comprenez, vous l'entendez comme moi-même, dans les pays maintenant islamiques, vous savez, ceux qui deviennent chrétiens et ailleurs dans le monde, ils ont le désir de se réunir, de bénéficier de la communion fraternelle. Ils ne le peuvent parce qu'ils sont vraiment persécutés et leurs vies sont mises en jeu. Ils veulent, là, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de fuir là, parce que la persécution a commencé et c'est une réalité maintenant. Ce n'est plus une prophétie, c'est une réalité maintenant pour nous. Nous le voyons. Et nous ne savons pas demain comment ça adviendra en Europe, quand nous sommes Européens. Ils veulent se réunir dans l'église, prendre part à la chaleur fraternelle ensemble, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, nous avons notre église, nous avons fait l'inverse, nous avons parti et nous restons isolés. Il y a une asymétrie. Lorsque la persécution viendra, qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia! Nous pensons que nous allons fuir la persécution, non. Parce que ceux qui ont déjà appris à fuir l'église, ils sont chez eux. Lorsque la persécution viendra, tu ne pourras pas rester chez toi non plus. Tu vas fuir. Alléluia. L'esprit fugitif demeurera. Qui a ou qui n'a pas de persécution? Parce qu'il y a toujours une cause et une excuse à la base. Bien sûr qu'il ne tient pas debout. Alléluia. Donc nous allons voir ce que dit et nous présente notre Seigneur ce matin. Vous savez, dans ce test, la parole de Dieu nous parle de deux participes, attirer et amorcer. Amen. Nous allons bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, attirer et amorcer. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Aux chrétiens que la Bible parle. Pas aux païens, aux chrétiens. Donc ces deux participes décrivent deux aspects différents, mais étroitement liés du processus de tentation. Amen. Ils sont tous deux liés. Amen. Dans le premier mot participe qui est attiré, traduit par attiré, vient dans le grec du verbe exelko. Ce verbe décrit et signifie entraîner. Amen. Comme poussé par un désir intérieur. Amen. Donc la Bible nous dit
que nous sommes poussés premièrement par un désir intérieur. Un désir intérieur. Qu'est-ce qui peut causer ce désir intérieur? Ça peut venir de quelque chose que nous voyons de l'extérieur. Mais ça peut venir aussi d'un désir que nous nourrissons intérieurement aussi, qui vient de nous, de nos propres désirs, de nos propres satisfactions. Alléluia. Quelque chose, par exemple, que nous désirons à tout prix, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous demeurons fermes et nous voulons à tout prix cette chose, dont cette chose aussi nous conduit à chuter. Elle devient pour nous une tentation. Amen. En ce moment, qui nous tente? Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est nous-mêmes? Alléluia. En tout cas, la Bible dit que quand quelqu'un est tenté, qu'ils ne disent que c'est Dieu qui me tente. Alors, il y a deux possibilités maintenant. Dieu est à côté. Nous, j'ai fait tri là, bon Dieu, pas dans ça. Donc, il y a le diable qui peut nous tenter, mais il y a nous aussi qui peut nous tenter. Amen. Et c'est une réalité. Parce que bien souvent, nous aimons dire que c'est le diable qui a fait. Nous l'accusons parfois. Et ce n'est pas une réalité. C'est nous, nous devons accuser. Alléluia. À 99%, oui, c'est le diable qui est sujet de la tentation. Alléluia. Et nous devenons l'objet, oui. Mais à un pourcentage, c'est nous-mêmes qui nous tentons. Alléluia. Vous savez, le prophète Jérémie 50 dit que mon peuple était constitué de brebis perdues, parce que le berger les égarait et les faisait errer de la montagne à la colline, afin d'oublier leur gîte, l'église, leur bergerie. Amen. La Bible dit, ceux qui les trouvaient les dévouaient. Et ils disaient, nous ne sommes pas coupables, car ils ont péché contre le Dieu de notre justice. Amen. Eh bien, bien souvent, ce verset, nous devons le prendre que bien souvent, c'est nous-mêmes qui nous égarons et nous sommes nos propres bergers. Et il faut prendre ce texte dans ce sens également, bien souvent. Bien souvent, nos conceptions, nos pensées, nos désirs qui nous poussent à agir sont nos propres bergers. Et ce sont ces désirs devenant nos propres bergers qui nous égarent et qui nous font également déserter l'œuvre du Seigneur, oublier leur gîte et nous faire errer. Alléluia. Parce que lorsqu'on sort dans la volonté de Dieu, on est en train d'errer, tourner en rond dans un désert. Alléluia. Amen. Donc, voici ce que ça veut dire, premièrement, ce premier participe attiré. Veut dire entraîner. Alléluia. Comme poussé par un désir intérieur, où on s'en servait souvent dans le domaine de la chasse. Le mot que l'apôtre Jacques a employé pour parler de la
tentation, le mot attirer, on se servait de ce mot dans le domaine de la chasse pour désigner un piège, appâter pour attirer un animal sans méfiance. Alléluia. On servait de ce mot dans le domaine de la chasse pour attirer un animal par un appât sans méfiance. Alléluia. Donc bien souvent, nos désirs, nous les cajolons parce que nous pensons qu'il n'y a pas de danger au premier abord. Nous disons qu'il n'y a pas de mal au premier abord devant Dieu, devant la justice de Dieu. Mais la Bible nous dit, nous sommes tous comme des impurs et notre justice est un vêtement souillé. Alléluia. Du moment où nous mettons la justice de Dieu à côté et nous cheminons avec notre propre justice, c'est un vêtement souillé. Il est entaché. Et tout ce que nous allons faire avec ce vêtement va entacher toutes nos décisions et nos situations également. Amen. Donc voici premièrement la définition de ce mot attirer, grec qui est traduit par attirer, ce participe. Amen. Donc on est attiré par une force, un désir intérieur, alléluia, qui vient de nous ou qui vient par quelque chose que nous aurions vu et qui a créé la convoitise. Amen. La convoitise, c'est vouloir avoir quelque chose qu'on semble être bien dans cette chose. Alléluia. La convoitise, c'est vouloir s'accaparer de quelque chose à tout prix, même si la chose ne nous est pas utile. Ça s'appelle la convoitise. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible nous demande de ne pas laisser la convoitise de ce monde nous souiller. Parce que la Bible dit que ce qui vient du monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc ce désir intérieur peut venir du désir de notre chair, le désir intérieur. Combien aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, et combien en 2014, on a invité des brebis du Seigneur à rentrer dans cette convoitise effrénée. Alléluia. Parce qu'il y a un enseignement maintenant qui sévit, c'est la doctrine de l'évangile de prospérité financière. Combien de chrétiens aujourd'hui qui se sont englués avec cette doctrine? Et essayez de tirer yo à dans glu là, ça. La colla yo jamais yo à dans. Ça devient une pierre, tu deviens une pierre d'achèvement pour eux. Parce que c'est ça yo ka kwe alè. Si yo ni, on voit-il qu'a fait ta-ta-ta-ta-ta, un chapement aïe, il n'y a pas un vrai chrétien. Il faut qu'il y ait un 4-4 à 60 000 euros pour un vrai chrétien. Alléluia. Si tu as une maison, la toiture est en tôle, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es un chrétien à demi. Et il faut que ta toiture de ta maison soit en béton.
Si tu gagnes ton salaire, alléluia, parce qu'il n'y a aucun travail qui est dévalorisant pour le Seigneur. Alléluia. Même les boueurs, il n'y a aucune honte parce qu'elle fournit ça. Alléluia. Il n'y a aucune honte. Amen. Si tu gagnes un salaire de 1000 euros, tu es dévalorisé au détriment de ces doctrines, bien sûr. Tu n'es pas un vrai chrétien. Il faut gagner 5000 euros. Il faut chercher un travail afin que ton patron te donne au moins 5000 euros pour être un vrai chrétien. Alors, quand tu entends de tes doctrines, toi qui as un salaire de 1000 euros, au moins, tu te mets devant le trône de grâce, vainement et naïvement. Tu dis, Seigneur, tu as dit, il ne faut pas que j'ai un salaire de 1000 euros. Je suis misérable. Je vais démissionner. Et je vais attendre jusqu'à ce que tu ouvres les cieux pour moi et me donnes un salaire de 5000 euros. Car c'est ce que ta parole dit. Je ne suis pas un vrai chrétien, misérable que je suis. Pardonne-moi, Seigneur, je ne suis pas un vrai chrétien. Rends-moi, fais-moi un vrai chrétien. Quand j'aurai 5000 euros, je serai un vrai chrétien. Je vais me réjouir. Et l'Éternel a croisé Braï. En trône, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, moi, là? Mais qu'il a dit, mais qu'est-ce que mon enfant me raconte, là? Oh, il prend doctrine à ça. Oh, il prend doctrine à ça. Alléluia. C'est ce qu'on enseigne bien souvent. Et combien de chrétiens qui ont cru à ces gens de doctrine? Alléluia. Les désirs intérieurs. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne tente personne lui-même et ne peut tenter par le mal. Mais chacun est tenté lorsqu'il est amorcé par ses propres désirs. Et il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. Alléluia. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voici ce qu'aboutit ces doctrines. La mort de nos situations. La mort de nos bénédictions. Parce que quand tu crois à ça, tu es béni. Tu te débénis. En passant, verbe là, ça a résisté. Mais quoi débénir? Parce que quand tu te mets à genoux, tu dis au Seigneur que tu as un salaire de 1000 euros, tu n'es pas un vrai chrétien. Ou quoi débénir? Et tu attristes le Seigneur. Combien aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu qui ont incurgité cette doctrine et qui viennent en forteresse, en disant à yo. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on enseigne aujourd'hui. Et il y a ça en Guadeloupe, hein, à part aux États-Unis. Hein. La plupart de ces dérives viennent des États-Unis, bien souvent, oui. Mais j'anis en Guadeloupe. Parce que Satan trouvait des acolytes pour mener et implanter en Guadeloupe. Si tu viens au culte, dans ces gens d'église, tu n'es pas habillé avec un tailleur. Alléluia. Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'es pas une vraie chrétienne. Tu es mal vu. Si tu viens habillé simplement, les hôtesses vont peut-être te dire, monsieur, madame, vous pouvez même crier au frère et soeur. Monsieur, madame, excusez, vous pouvez vous asseoir les bancs qui sont réservés là. Parce qu'on n'est pas venu en tailleur, on n'est pas venu en costume. Tu es venu simplement. Alléluia. Et il y a des bancs réservés pour ceux qui sont tailleurs, ceux qui sont costumes. Et des bancs réservés pour ceux qui sont simplement. Alléluia. Donc là, tu peux, oui, quitter de telle église.
Alléluia. Et aller ailleurs, mais pas rester chez toi. Vous savez, Jésus a dit à un serviteur un jour, un témoignage, que j'ai ma possession. Il a dit à son serviteur, si dans une église tu entends un pasteur dire à ses brebis, aux chrétiens, que tous les chrétiens qui sont dans l'église sont sauvés. Chrétiens, pas visiteurs. Hein. Jésus, c'est ça qu'il dit. Hein. Et il dit, si vous entendez un pasteur dans une église dire que tous les chrétiens qui sont dans l'église sont sauvés, Jésus dit de quitter cette église. Pour parole là, ça, Jésus dit quitter l'église là, ça. Parce que demain, là, il y a quelque chose, ça, il y a quelque chose, on peut commettre l'adultère. On peut vivre ensemble en concubinage, parce que l'Ancien Testament te qu'à permettre, il y a quelque chose de verser pour arranger ça. On appelle ça prendre des tests hors contexte pour faire un prétexte, pour vivre dans le péché. Une dissolution de vivre dans le péché. Et prendre bon Dieu pour un bonbon. Oublier que bonté à bon Dieu, mais prendre pour un bonbon. Amen. C'est ce qu'on va te prêcher dans cette église. Alléluia. On va te prêcher que lorsque tu as fait du tort à quelqu'un, ne crains pas la sorcellerie. On va te donner le verset qui dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Mais si nous calons bien verset là, quelques versets avant, quelqu'un a dit, le prophète a dit, c'est parce qu'on a trouvé en Israël aucune injustice. Mais si vous trouvez en Israël en injustice, l'enchantement et la divination qui n'y doit s'y. Et c'est ça qui s'est passé tout de suite après. Parce que le prophète a tendu un filet pour commettre justement dans l'adultère et frapper yo. Et c'est les stratagèmes, les superfuges du diable pour nous détourner subtilement par des voies détournées et nous avoir. Alléluia. Donc, il commence à nous faire goûter l'hameçon. Alléluia. Donc, au premier abord, ce n'est pas danger. Nous pouvons goûter simplement, mais nous pouvons voir danger là. Alléluia. Un appât sans méfiance. Nous ne voyons pas tout le jugement dans ça. Alléluia. Vous savez, Paul a dit aux chrétiens de Thessalonique, il a dit sans, je crois que c'est le chapitre 4, un Thessalonicien, et il a dit aux chrétiens sans vous livrer à des convoitises passionnées. Amen. Donc Dieu sait ce qu'il dit par la bouche de l'apôtre Jacques, la convoitise. Et il dit, sans vous livrer par des convoitises passionnées. La passion, on veut quelque chose à tout prix, on est passionné par quelque chose. Sans vous livrer à des convoitises passionnées. Ni convoitise, mais ni ça ici, passionné. Nous avons telle passion, telle ambition pour ça, et c'est ça nous qui atteint. Comme l'évangile de prospérité aujourd'hui, financière. Alléluia. Et je le souligne, parce que je le précise aussi, durant cette année 2014, combien de chrétiens se sont fait envoûter par rapport à ce qu'ils voient. Et c'est ça qui a attiré Yola. Même si les péchés là, mais yo vrai débitant, et c'est ça seulement qui baillon licence d'hériter et d'être décrit que ponté là. Malheureusement, détrompons-nous. Parce que j'ai un témoignage, Jésus dit à un serviteur que ces gens qui prêchent
L'évangile de prospérité financière, Jésus n'est plus dans ces églises. Même si le pasteur Lec a prêché ça millionnaire, Jésus pas dans l'église là encore. J'ai un témoignage, Jésus l'a dit. Et il dit, les serviteurs qui prêchent l'évangile de prospérité financière, je ne suis plus dans ces églises, je me suis retiré déjà, même s'il y a des miracles. Parce que Satan a fait miracle aussi. Et qui fait miracle, et qui fait manifestation pour créer la convoitise des yeux. Alléluia. Et fait nous retirer demeurer quand même. Parce qu'ils savent la parole de Dieu est certaine et véritable. Le jour le berger qui est tombé à notre troupeau là, qui est tombé aussi. Parce que Jésus dit, si un aveugle conduit un troupeau, si l'aveugle tombe dans un trou, le troupeau tombera aussi. Alléluia. Vous savez, Alexandre le Grand a dit un jour, il ne craint pas un troupeau de lions qui est conduit par un mouton. Mais il craint un troupeau de moutons conduit par un lion. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Et nous sommes les moutons. Alléluia. Alexandre Grand qui a dit ça. Il sait ce qu'il dit. En très peu de temps, il a conquéri le monde entier. Alléluia. Donc voici ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Donc continuons. Ce premier mot, entraîner, attirer plutôt. Le second participe, qui est traduit par amorcer. Amen. Vient d'un autre mot grec, deliazo. On utilise aussi ce mot en parlant du poisson qui est attiré à sa perte par un appât. Donc je vous disais que ces deux participes sont différents mais étroitement liés dans le processus de la tentation. Amen. On l'utilisait en parlant du poisson qui est attiré à sa perte par un appât. Ça veut dire, quand Jacques nous dit ça, frères et sœurs, Jacques ne dit pas ses paroles seulement, mais il décrit le chrétien même qui est déjà tiré pour sa perte finale. Alléluia. Alléluia. Donc, il ne parle pas de celui qui est tenté et qui tombe pour un moment, mais pour sa perte finale même. Alléluia. Donc, l'apôtre Jean nous décrit le cheminement de la perte du salut d'un chrétien à travers cette image. Amen. Donc, dans le verset 14, l'image est d'abord prise dans le monde de la pêche, que Jacques connaissait très bien parce qu'il est un pêcheur. Alléluia. Le poisson est attiré par l'appât. Comment poisson a pris Adam à pas? Alléluia. Parce que ce mot est amorcé, veut dire celui qui est attiré par un appât, le poisson qui est attiré par un appât. Comment il est attiré? Il commence à tourner autour de l'appât. Il examine et ne voit pas le fil qui en sort. Alléluia. Il tourne autour. Il ne voit pas encore le fil et le cocher.
Amen. Il voit l'appât, mais il ne voit pas encore l'hameçon. L'hameçon est dans l'appât. Alléluia. Donc il vient, il tourne. Alléluia. Avant il becquait l'hameçon là, il a tourné. Alléluia. Mais il ne voit pas le danger. La seule chose qu'il voit et il sent, c'est un appât qui est attrayant, bon pour manger. Mais il ne voit pas le danger. Donc c'est un peu comme ça, le diable déguise son appât. Il le déguise. Parce que l'hameçon, son hameçon est dans l'appât. Il le déguise. Et quand tu as fait comprendre, par exemple, tu ça prospère, c'est l'inverse. Parce qu'il a chalviré toute prospérité en nous. À travers de ce que nous allons croire et comprendre et admettre et accepter qui vient de son royaume. Même s'il y a un petit peu de vérité, c'est toujours la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est un peu de vérité mélangée avec un peu d'erreur. Ça s'appelle la séduction. Et quand il y a la séduction, il y a un peu de vérité, mais Dieu n'est pas là. Parce que Jésus a dit, on ne peut prendre un bout de drap neuf et le coudre dans un vieil habit. La déchirure sera pire. Quand il y a séduction, le Seigneur n'est pas là. Et c'est pour ça que Jésus a dit que dans ces églises, il se retire par ces séductions. Les yeux de notre Dieu sont trop purs pour voir le mal. Il se retire. Lorsqu'il y a péché, l'Éternel se retire. Et c'est nous à revenir à lui. Parce que lui, il ne pêche pas. Et il nous dit de revenir à lui dans la repentance. Amen. Et Jésus a dit, quand il viendra, ces églises, ces pasteurs ne vont pas décoller. Ils ont été à terre. Et tout évangile de prospérité financière, ils ont prêché. Alléluia. Donc voici, l'appât est là, le poisson tourne au rond et commence à le becquer jusqu'à ce qu'il rentre et il se fait avoir par l'hameçon. Voici l'image qui est décrite pour nous. Quand nous nourrissons des mauvais désirs en nous, nous vivons ça. Combien de fois on a parlé. J'ai eu l'occasion aussi à parler à des chrétiens, à des chrétiennes. Mais comme ce désir intérieurement était plus fort que les conseils de Dieu, ils ont fait, ils ont becqué à son glas et ils ont trouvé, ils ont piégé. Et parfois des pièges. Il ne peut pas revenir en arrière. Alléluia. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsqu'on les conseille, par exemple, sur le mariage, sur les fréquentations. Amen. Le désir, la convoitise est tellement fort. Yoka quoi même yoka peut convertir bon Dieu. Tellement point de vue à yo qu'a scellé motif à ce désir intérieur. On leur dit, vous êtes chrétienne, ne cheminez pas avec un païen. On leur dit, vous êtes chrétienne, ne cheminez pas avec une païenne. Paul leur dit, ne vous mettez pas en Corinthiens 6 avec un infidèle sous un joug étranger. Paul a dit, un infidèle, c'est celui qui n'est pas fidèle à la grâce de Dieu. Il faut qu'on ait bon Dieu. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, un joug. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot grec joug? Vous avez vu, lorsqu'on attelait deux bœufs, avant, pour tirer une charrue. C'est ce qu'on appelle un joug.
Le joug était fait pour les atteler. Ça veut dire que lorsque le bœuf qui était de droite voulait aller à gauche, à droite, celui qui est à gauche devait aller aussi. Il n'avait pas le choix. Alléluia. Si celui qui est à gauche voulait aller à gauche, automatiquement celui qui est à droite devait aller aussi. Ils sont jouqués. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible dit l'onction brise le joug. Il brise le joug. Il détache les liens. Alléluia. Donc si l'Éternel t'a délivré du monde, ne tombe pas encore sur le joug. Alléluia. La Bible dit comment vous qui avez été délivrés, vous voulez vous mettre sur un joug encore d'étranger de nouveau, de servitude de nouveau. Amen. Parce que quand tu seras jouqué avec un inconverti, il y a toutes sortes de raisonnements. On dit oui, je l'aime. Oui, il m'aime, elle m'aime. Je dis ce qu'on ne vient pas. Peut-être c'est vrai. Mais déjà, interrogation, pourquoi il t'aime et pourquoi elle t'aime. Un. Mais si tu consultes le trône de grâce, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit faire écho dans ta conscience et te dire, mais s'il t'aime, il va accepter ton opinion, ta foi, et il va se convertir aussi. S'il t'aime. Amen. Je vais le convertir, je vais la convertir. Avec le temps, ça ira. Je ne dis ce qu'on ne vient pas. Ça peut se faire. Et gloire soit rendue à Dieu, c'est déjà fait. À un échelon, une échelle minime. Amen. Mais il ne faut pas prendre les expériences comme une réalité scripturaire. Alléluia. Il ne faut pas se baser sur l'expérience pour échafauder une doctrine. Amen. Donc, on plonge et on rentre dedans. Après, c'est malheur, chagrin. Et si l'on se rend compte, la bénédiction de Dieu n'était pas là. Parce qu'il n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Donc ça aussi, frères et sœurs, je vous mets en garde. Amen. Ne laissez aucun homme, aucune femme jouer avec les sentiments de vos cœurs. N'oubliez pas la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Alléluia. Je vous ai montré ce mot, garder veut dire mettre des frontières. Dans l'hébreu, le mot hébreu, c'est mettre des frontières, des limites. Car c'est elle de... vient les sources de la vie. Alléluia. Les sources plutôt veut dire frontières. À pas garder mes sources. Alléluia. Les frontières de la vie. Amen. J'ai l'occasion d'avertir une femme un jour. Elle me disait, et un collègue de travail, elle était jeune convertie. Elle était troublée. Elle m'a appelé un entretien. Je lui ai dit de faire attention. Oui, mais ça fait 20 ans, 25 ans qu'on travaille ensemble, on se connaît, on est collègues, on a des sentiments. Je lui ai dit, ça, c'est pas, ce n'est pas un signe authentique. Ça ne veut rien dire. Il m'a dit, oui, je lui ai conseillé. Finalement, il fait choix. Bon, vous savez, les pasteurs, et je leur dis, moi, je suis pasteur de l'Église. Je ne suis ni le père, ni la mère de quiconque. Je vous donne des conseils. Vous prenez, vous l'acceptez, ça c'est vous. La seule chose que je vous dis, l'abbé dit d'obéir à vos conducteurs spirituels. Parce que c'est eux qui se mettent devant Dieu, pouvant rendre compte devant rencontre
à votre âme. Alléluia. Et c'est déjà arrivé. Alléluia. Donc, on fait leur volonté. Amen. Vous savez, Paul a dit aux Philippiens, et il a dit, tout ce que vous avez entendu, reçu et appris de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Paul qui le dit, et il n'a pas dit en Jésus-Christ, en lui, pratiquez-le. Et le Dieu de gloire sera avec vous. Alléluia. Je ne me place pas et je ne m'identifie pas à l'apôtre Paul. Ce n'est pas ça que je veux dire. Amen. Mais je vous avertis que lorsque des conseils viennent d'un serviteur et les conseils sont inspirés du Saint-Esprit, vous avez intérêt à prendre garde. Alléluia. Parce que Paul a dit que ceux qui rejettent ses préceptes ne rejettent pas un homme, mais Dieu lui-même. Paul qui l'a dit. Alléluia. Donc je le dis, j'ai eu l'occasion à conseiller des gens, ils ont rejeté les préceptes de Dieu, ils ont parti. Amen. Parce que bien souvent, quand je vous donne un conseil, je prends du temps dans la prière en privé pour vous, avant de vous donner un conseil, pour chercher la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Eh bien, cette femme, elle a fait sa volonté. Eh bien, finalement, Maillé, je lui avais dit ça, hein? Je lui avais dit, tu sais, ton mari, quand tu seras à marier avec lui les trois premiers mois, il va te laisser en paix. Parce qu'il faut bien comprendre, ça va choquer, mais je veux vous expliquer quelque chose. Amen. Vous savez, la Bible dit, Paul a dit que lorsque dans un couple qui sont mariés, il y a un qui vient au Seigneur, que ce soit l'homme ou la femme. Pourquoi Paul a dit que par la sanctification qui est soit sous la femme convertie, parce que les deux bien souvent ne se convertissent pas en même temps, ou soit sous l'homme converti, vos enfants seront sanctifiés, autrement ils seront impurs. Pourquoi Dieu et Paul a dit ça? Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas sous le bénéfice encore de la grâce du Seigneur, de la sanctification que nous procure la grâce du Seigneur. Amen. Ça ne veut pas dire que les enfants seront sauvés, et ni le mari ou la femme non convertis. Ils sont sanctifiés simplement, Dieu aura un regard favorable sur leur vie par rapport à la sanctification. Sanctification veut dire mise à part. Un coup vient au Seigneur, le mari se convertit. Alléluia. Ou la femme se convertit. On a dit bien souvent que c'est la femme bien souvent qui se convertit avant l'homme. Peut-être c'est vrai. Je ne sais pas. Quand on regarde, on voit effectivement les églises maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc je pense que c'est peut-être vrai, une réalité. Alléluia. Mais les maris peuvent les doubler après. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est un droit. Il faut marier la doubler après. Là, il est converti parce que c'est le mari qui est le chef. Alléluia. Pas pour dominer, comme on a appris dans le monde. Et ça a amené les femmes à créer l'émancipation. Et aujourd'hui, l'émancipation de la femme rentrée dans l'église du Seigneur, malheureusement, aujourd'hui. Alléluia. Il ne faut pas nous voiler les yeux. Ça existe aussi dans l'église du Christ. Amen. Donc, c'est une parenthèse. Donc, vous comprenez, lorsque je disais ça va choquer, mais il faut comprendre cette chose.
Quand tu invites un inconverti dans ta vie, tu invites le diable dans ton mariage. Ça va choquer, mais je te l'explique. Quand Dieu dit de ne pas vous mettre sous un joug étranger, amen, tu invites le diable dans ton mariage. Ça va choquer, mais c'est une réalité. Parce que cet homme, cette femme est converti à sa religion. Et il a sa tradition. Je prends un exemple. Admettons que cette non-converti, c'est un bouddhisme. Il croit à son Dieu qui est Bouddha. Donc c'est une idole. C'est un démon. Il donne gloire au diable. Nous sommes d'accord. Alléluia. Jonas 2, verset 9 a dit, celui qui s'attache aux idoles se prive, se détache de la grâce du Seigneur. C'est clair et net. Celui qui s'attache aux idoles s'écarte de la grâce de Dieu. C'est clair et net. Amen. Donc si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Si tu n'es pas avec le royaume de Jésus, tu es dans le royaume du monde. Il n'y a pas trois royaumes. Il y a deux royaumes qui existent. Alléluia. Il y a plusieurs royaumes dans le gouvernement. Mais Dieu connaît deux royaumes. Alléluia. Et il a dit, Paul a dit, ne soyez scandaleux ni aux Juifs, ni aux Grecs, et ni à l'Église. Alléluia. Les Juifs et les Grecs, un royaume mondain, et l'Église, un deuxième royaume. Il n'y a pas trois royaumes. Amen. Donc maintenant, tu t'unis dans les liens sacrés du mariage. Maintenant, tu vas dire, bon, tu vas le dimanche au culte. Ton conjoint va te dire, je vais aussi le dimanche à mon culte. Il y a dans son lieu, son temple païen, il y a des démons, il n'y a la pas présence de Dieu. Et toi, tu vas dans ton temple, à l'église où il y a la présence de Dieu. Tu vas recevoir des bénédictions. Lui, dans son temple, il va recevoir des malédictions. Il faut parler de la vérité. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Il faut dire un chat. Il ne faut pas essayer trafiquer pour expliquer les gens ça. Il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que Dieu n'est pas dans le mélange. Et je dis souvent, Dieu ne fait pas du gris. Dieu pas qu'on est gris. Noir c'est noir, blanc c'est blanc. Il pas prend noir et blanc fait gris. C'est Satan qui a fait gris. Il a prend noir l'enfer, le ciel, le paradis blanc. Il a fait gris le purgatoire. Satan qui a fait gris. Bon Dieu pas fait gris. Alléluia. Donc, tu rentres chez toi avec la bénédiction de Dieu du dimanche, il rentre avec la malédiction. Malédiction et bénédiction, qu'est-ce que ça fait à ton couple? Qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Donc, j'ai pris ça, mais il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons prendre. Alléluia. Eh bien, c'est ça qui est arrivé à cette sœur, j'ai conseillé. Marie-là a un moment d'accalmie. Il commençait à dire, tu sais chérie, je vais en boîte ce soir, tu m'accompagnes. Il dit, non mais, tu sais très bien, tu m'avais promis. Confession. Tu me laisseras observer ma foi. Il dit, d'accord, je t'ai demandé. Il dit, ok, d'accord. Une deuxième fois, il a dit, chérie, est-ce que tu m'accompagnes en boîte de nuit? Et il a dit, mais je t'ai déjà dit, je ne vais pas dans ces choses. Et il a dit, bon, eh bien, je respecte ta religion. Dans ma tradition, on peut aller en boîte. Alors, si tu ne vas pas, moi, j'y vais seul. Mes chagrins commençaient. Il t'a averti. Carnaval. Tu sais, est-ce que tu veux me voir? Je suis dans un groupe carnavalaise. Me voir. Je sais que tu ne cours pas carnaval, mais tu peux venir me voir, applaudir le groupe.
Tu sais, je ne sais, je fais pas ces choses. Eh bien, moi, ma tradition, on fait le carnaval. Parce que tu savais, j'étais catholique. Et je t'ai bien dit, je vais rester catholique. Il t'a averti. Et Marie l'a pas menti, il dit ça. Et il dit, reste dans ta religion, moi je reste dans ma religion. Eh bien, voilà, mes chagrins là. Et c'est pour cela, tout de suite après, nous voulons mettre ma chaouille là, mais bon Dieu qui a fait ma chaouille là, pas passé. Parce qu'elle nous t'a averti. Alors vous comprenez, lorsqu'on vous avertit, on sait pourquoi. Alléluia. On sait pourquoi, frères et sœurs. Pourquoi vous ne puissiez pas tomber dans le chagrin avec les choses du monde. Alléluia. Lorsqu'on avertit, ce n'est pas pour des paroles à battre en l'air. Alléluia. Donc c'est pour cela, frères et sœurs. Qu'on avertit. Amen. Donc nous allons continuer. Je parlais de l'appât. On tourne autour de ce désir parfois. On est tellement poussé à le goûter, à passer à l'action. Malgré une voix qui nous dit, ne fais pas ça, ce n'est pas dans ma volonté, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas mes principes, ainsi de suite. Mais la voix de la tentation parfois est plus grande que la voix de la piété. Amen. Donc il commence à mordre le poisson et jouit sans doute un peu de verre attaché à l'hameçon. Pour le moment, il ne ressent encore aucun désagrément dans son acte. Amen. Bien souvent, nous commençons à cheminer vers un processus. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, nous ne ressentons pas le désagrément de nos actes. Surtout lorsque nous avons commencé à endurcir notre conscience, à fermer les sentiments de nos cœurs à ce qu'on reproche que nous fait la parole, l'Esprit de Dieu. Et c'est jusqu'au jour où nous tombons dans la fatalité du diable. Amen. Vous savez, dans l'évangile de Jacques, le chapitre 4, l'apôtre Jacques nous dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Alléluia, à l'église, hein, parmi eux, à l'église. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les passions, ça combat dans nos membres. Alléluia. Ça veut amener des querelles et des luttes. Les désirs de nos cœurs, ainsi de suite. Et il dit, vous convoitez. Alléluia, la convoitise. Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Alléluia. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ce qu'on convoite. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Alors ça mène des luttes et des querelles parmi vous.
Et c'est ça qui arrive, frères et sœurs. Lorsqu'on enseigne de telles doctrines, ça amène des luttes et des querelles parce qu'on ne possède pas. Tu peux rester du matin au soir devant le trône de grâce. Dis, Seigneur, je vais lâcher le travail, j'ai 1000 euros, donne-moi un travail, 5000 euros. Tu peux attendre longtemps. Ça va t'amener à créer des luttes et des querelles parce que tu vas convoiter les 5000 euros et tu ne vas pas les recevoir. Alléluia. Parce que le Seigneur va te dire, ma grâce te suffit pour les 1000 euros et en montant, je vais t'élever. Mais commence à me glorifier à travers les 1000 euros que je t'ai déjà donnés. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas ces 1000 euros. Alors rends-moi gloire. Au lieu de le rejeter, rends-moi gloire déjà pour ces 1000 euros. Alléluia. Car je sais que tu en as besoin plus. Je connais et je suis le maître des temps et des circonstances. Alors sois sage et reste dans la paix. Alléluia. Arrête de m'importuner inutilement. Alléluia. Et change de voie. Et il va te mettre un désir de quitter cette église. On t'envoie m'importuner inutilement. Change cette église, quitte cette église. C'est ça que tu vas entendre dans ton cœur bien souvent. Et va ailleurs. Amen. Alléluia. Vous ne possédez pas. Alléluia. J'ai pris cette doctrine évangile de prospérité financière. Mais il y a aussi, il y a des chrétiens aussi. Ils viennent aussi pour recevoir que des paroles de la part d'un homme, de la part d'une femme, prophète, prophétesse. Ils viennent que pour ça, recevoir des paroles aussi. Alors, joue la peine des paroles, c'est que lutte et querelle, parce qu'ils ont convoité aussi. Et ils ne reçoivent rien. Alléluia. Parce que tu veux connaître ton avenir, tu veux connaître ton présent, peut-être ton passé, tu le connais en partie, parce que tu oublies une partie. Tu veux connaître ton présent et ton avenir, cherche-le dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ça va devenir également de la cupidité. Amen. De la convoitise passionnée. Et la Bible nous dit de ne pas nous livrer à des convoitises passionnées. Ça devient de la convoitise passionnée. On a une passion maintenant. Nous habillons-nous aujourd'hui, les dimanches, nous donnons la joie. Pourquoi pas que nous recevons parole encore aujourd'hui? Ça devient une passion, une routine. Alléluia. Et nous cheminons dans la routine. Alléluia. Sois heureuse, sois heureux le dimanche. Habille-toi dans la joie. Viens dans la présence du Seigneur. Sans pour cela t'attendre à aucune parole. Si une parole doit venir, elle va venir tout seule. Alléluia. Mais ne viens pas pour ça seulement. Cherche la volonté de Dieu dans la Bible, dans la parole. Ton avenir, mon avenir dans la Bible. Mon présent, ton présent dans la Bible. Alléluia. Ça, je mets l'accent sur cela pour vous préparer parce que l'année qui vient, c'est une année nouvelle et le diable a des projets nouvelles pour l'année 2015 aussi. Et surtout pour l'église du Seigneur parce que c'est cible et ennemi. Il n'attaque pas vraiment le monde est déjà dans sa main. Donc c'est l'église qui l'attaque. Et ça caille au pire. Alléluia. Et malheureusement, il faut leur dire comment le diable réussit à atteindre l'église du Christ dans les derniers temps. C'est vraiment catastrophique. Parce que les chrétiens, de plus en plus, deviennent oisifs, paresseux.
paresseux. On néglige la prière. On néglige la parole de Dieu. On est devenu laxiste, paresseux. Bientôt les chrétiens, avec la technique du monde, ils ont mis un bouton pour soi à casa. Et ils ont dit, ils ont pigé ce bouton-là et ils ont pu prier. Parce que de plus en plus, ce qu'on entend, ils ont robotisé l'homme maintenant de plus en plus. Alors ne nous laissons pas robotiser par le système du monde, frères et sœurs. L'Église du Seigneur a été établie avec un fondement pour tous les siècles. Que les siècles soient favorables ou défavorables, Dieu est le Dieu de tous les siècles. Il a créé les siècles. Amen. Et il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous voyez, il parle encore de la convoitise. Et la Bible dit, lorsque nous sommes tentés, c'est par nos convoitises. Amen. La convoitise vient des yeux. La convoitise vient de la chair. Amen. Et il dit, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est clair et net. Vous ne demandez pas. Donc demande au Seigneur. Demande au Seigneur, est-ce que ça, ça vient de lui? Est-ce que tu peux entreprendre ça? Ou pas? Vous ne demandez pas. Et vous voulez obtenir par force. Non, ça c'est la convoitise. Donc vous querellez, vous disputez et vous n'obtiendrez rien. Amen. Vous ne demandez pas. Ça a été le peuple lorsque Dieu les a mis à Mara. Ils ont disputé, ils ont querellé. 3 millions de monde qui ont rouspété. A-t-il une idée, Moïse a tenu du mal à prier celle. 3 millions de personnes en train de rouspéter. Imaginez-vous ce que ça peut faire, le chariment. Et Moïse ont seulement concentré ses prières. Ouais. Il entend 3 000 voix en train de rouspéter pendant qu'il prie. Parce que Moïse a demandé. Alléluia. Il n'a pas convoité. Les 3 millions d'individus ont convoité. Amen. Mais Moïse a demandé. Et il n'a pas disputé, il ne s'est pas corrélé, il a demandé, comme Jacques le dit. Et il a obtenu réponse. Alléluia. Alors, lorsque nous voulons passer, changer, transformer nos situations en mer, en eau douce, nos eaux amères en eau douce, nous devons chercher la volonté de Dieu. Et non respecter, contester. On fait du surplace, on perd du temps, ça n'aboutit à rien. Alléluia. Lorsqu'on conteste, on respecte, on fait du surplace, on reste sans solution. Mais lorsqu'on cherche la volonté de Dieu, on sort dans la situation. Et il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Amen. Il disait, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais maintenant, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas toujours. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Dans le but de satisfaire vos passions, je reviens à l'exemple que j'ai pris. Celui qui va dire devant le trône de grâce, Seigneur, je trouve que 1 000 euros. Je veux 5 000 euros. Tu demandes mal et tu ne vas pas recevoir, même si tu demandes, parce que tu demandes mal avec un mauvais motif de cœur. Et tu ne vas pas recevoir parce que c'est dans le but de satisfaire tes passions, parce que tu as entendu ça. Mais 10 ans avant, tu n'as jamais dit le Seigneur,
que tu touchais 1000 euros parce que 10 ans, c'est ça que tu as touché. Alors pourquoi je dois rentrer dans l'église ou tant de ça, ou veut dire le Seigneur qu'on ne veut pas y encore. Pour satisfaire vos passions. Alléluia. Parce que c'est une passion qui est rentrée par une parole qui t'a troublé. Amen. Alléluia. Donc je dis pas si on touche 1000 euros de ne pas chercher à avoir mieux. Hein. Je reste bien, j'ai pris un contexte. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que nous prospérons à tous égards. Si nous avons un travail, nous voulons meilleur. C'est normal que nous cherchions le meilleur. Alléluia. Donc je ne veux pas dire par là que si nous sommes dans une situation, il faut demeurer dans la situation et glorifier le Seigneur. Non. Mais le Seigneur, en son temps, il connaît toutes choses. Si nous sommes dans une situation, nous voulons, nous aspirons mieux, ça oui, avec un cœur sincère. Pas dans le but de satisfaire nos passions, mais demander dans la bonne manière, le Seigneur pourvoira. Alléluia. Il pourra permettre à quelqu'un de démissionner et nous donner le poste. Et toucher 5000 euros hein, du jour au lendemain. Tout est possible par Dieu. Mais faisons de lui premièrement nos délices. Et lui l'accomplira le désir de nos cœurs. Alléluia. Et il y avait un homme dans la Bible. Je crois que c'est Phinès. Phinès, ça me vient là. Phinès. On l'avait rejeté dans sa famille. Ses frères et sœurs l'avaient rejeté parce qu'il était né d'une mère prostituée. Donc ses demi-frères, ses demi-sœurs l'ont rejeté. Alléluia. Cet homme errait, se trouvait en compagnie à se réunir, un peu comme les jeunes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes aussi, parfois, on les rejette. Il faut le dire, on trouve beaucoup de jeunes aussi qui sont rejetés par leurs parents. Alléluia. L'inverse se fait aussi, des jeunes rejettent leurs parents. Ils ont quand même menacé, ils sont en case là. Alléluia. Donc, on l'a rejeté. Et il se retrouve en groupe un peu comme les jeunes. Mais à la différence, à l'époque, pas ni drogue, pas ni musique, qu'à coûter tout ça. Il y avait poste. Eh bien, il s'est mis à fouiller dans les poubelles pour vivre. Mais le Seigneur avait un regard favorable sur lui. Eh bien, Dieu l'a mis, à un moment donné, il y avait la guerre, Dieu l'a mis en tête. On l'a cherché parce qu'il y avait quelque chose en lui. On l'a mis à la tête de l'armée. Amen. Donc ne soyons jamais dévalorisés. Alléluia. Regardez comment Ruth, elle a été prospère. Elle ne s'est pas dévalorisée. Elle a commencé avec son maître Boaz à glaner le reste des blés des champs. C'est un travail dévalorisant pour elle. Non. Mais Boaz est en train de l'observer. Il y a quelqu'un. Lorsque tu penses à dévaloriser mon frère, ma soeur, le Seigneur met un regard favorable de quelqu'un sur toi. Lorsque tu sens te dévaloriser, le Seigneur met un regard favorable, il met le cœur d'un patron favorable sur toi. Il prépare quelque chose pour toi. Mais il te dit de rester dans la paix et d'attendre en son temps. Alléluia. Si la bénédiction tarde, reste en paix, il arrivera certainement. La bénédiction ne va pas partir, ne va pas te doubler. Reste dans la paix. La bénédiction viendra t'atteindre. Alléluia. C'est le diable qui met des embûches dans le véhicule de notre destinée. Alléluia. Ça, c'est le diable qui le fait. Et lorsqu'il met des mauvaises pensées, des mauvais désirs pour amorcer la convoitise en nous,
C'est pour arrêter le véhicule de notre destin. Alléluia. Parce que lorsque le véhicule de notre destin sera arrêté, nous serons immobilisés. Le véhicule est arrêté. Chacun a un véhicule de son destin. Alléluia. Chaque personne a un véhicule de son destin. Si Dieu choisit un véhicule pour t'amener dans un destin, Joseph, son véhicule était la trahison de ses frères. C'était son véhicule. Et c'est par cette trahison qu'il s'est trouvé en Égypte et il est devenu le premier gouverneur après Pharaon. Il n'y avait que le trône qui les séparait au niveau. Alléluia. Ça a été son véhicule pour qu'il atteigne ce destin, sa destinée. Peu importe le modèle, le véhicule que Dieu choisit pour toi, accepte-le pour ton destin. Ça va t'amener à ton destin. Si tu es immobilisé, c'est le diable qui a arrêté ce véhicule. Alléluia. Alors cherche à toujours frayer le chemin pour que tu arrives à ton destin. Alléluia. Le véhicule de la prostituée Rahab a été l'hospitalité. Cette femme, la prostituée Rahab, qui a logé les deux espions à Canaan, ça a été son véhicule, l'hospitalité. Simplement. Et aujourd'hui, elle fait partie de la liste de la généalogie de Jésus. Alléluia. Une grand-mère du Seigneur Jésus, elle est devenue aujourd'hui la prostituée Rahab. Le véhicule de son destin était l'hospitalité. Amen. Dans tout ce que Dieu nous permet de faire avec notre force, fais-le aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas si c'est un véhicule de ta destinée. Amen. Tous les plans de Dieu sont parfaits. Et ils sont inviolables. Donc ce matin, je vais m'arrêter. Afin que tu prennes conscience ce matin, je prenne conscience que durant cette année 2014, ce que le diable a voulu, avec ce que le diable a voulu me perdre, te perdre, afin que nous redoublions de vigilance pour l'année 2015 et que nous puissions reconnaître tous les artifices des appâts mensongères que le diable a essayé encore de mettre en nous, sous nos yeux, dans nos pensées, et réveiller en nous ce qui est endormi potentiellement. Donc que Dieu te fasse grâce, mon frère, ma soeur, de te réveiller, de nous réveiller sur ses conseils de son Esprit Saint, afin que l'année 2015, nous puissions nous tenir devant l'adversité, résister afin qu'il fuit avec tous ses pactages. Amen. Donc que le Seigneur soit glorifié et béni. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs.